Le prix Washington, c'est sur adeturf.com. Après un spot, c'est Washington. Pierrot, Napoléon, il fait un truc aujourd'hui, il est allé devant, il a tout contré. Oui, enfin tout contré, il n'y a pas eu d'attaque. Donc en fait, on a démarré très vite. J'ai laissé filer jusqu'au passage du poteau pour que les places se prennent. Une fois que les places étaient prises, j'ai largement repris dans le temps de chemin de fer. En face, on a été benoîtement, on va dire, puisque ça a permis à Combat de Guest de venir à 3, ce qui tenait tout le monde. Et j'ai vraiment accéléré à partir du poteau des 500 mètres. Et demander l'effort suprême à mon cheval 50 mètres après l'entraînement. Rassure-nous, quand tu es au sulky, tu calcules tout ça, l'effort de Combat de Guest à 3, tout ça, tu regardes tout ça, tu analyses? J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Alors, une course comme celle-ci, elle marche 1:51. 1 minute 51, on a le temps de voir un clip. Hein. Donc, on se fait notre clip. Bon, en tout cas, Napoléon, on peut dire qu'aujourd'hui, il marque des points pour l'Europe, quoi, on va dire. Oui, oui. Bon, déjà, en Europe, il y a des prix dotés comme le prix de Washington, il n'y en a pas légion. Donc, s'il peut rester en France, courir ce genre d'épreuve, c'est tout bonus. Je crois qu'il a une très belle épreuve à Cannes-sur-Mer au mois d'août. Après, où est-ce qu'ils vont aller d'ici là, je ne sais pas. Mais s'il est invité à la faire l'Europe, oui. Ceci étant, ça se court un petit peu différemment qu'ici. Tu m'avais piégé avec Timoko, celui-là c'est toi le driver attitré ou pas? Bah, disons que j'ai bénéficié de la montre parce que Enrico Bellet ne pouvait pas amener Precious Lest alors que c'est lui qui mène ce cheval-là en Italie. Et puis comme je venais de gagner avec, ils ne l'ont pas retiré comme il devait driver aujourd'hui. Et puis pour un problème d'avion, il n'est pas venu. Donc voilà, maintenant mon carnet de balles est ouvert. Francky, deuxième, est-ce que tu y as cru dans la ligne droite? Un petit peu avant de sortir, mais quand je suis sorti, j'ai bien vu que je ne refaisais pas sur Pierrot. Bon, il court bien, rien à dire, j'ai eu la bonne course, je suis battu par meilleur. Ouais, est-ce que le manque de train l'a desservi? Ah, c'est sûr qu'il aurait été un peu mieux avec un peu plus de train. Mais non, il n'y a pas à rougir d'être second, c'est déjà très très bien. Il n'y a plus d'avion les mecs, hein? Ben voilà! Depuis le temps que je vous le dis! Ah oui, oui! Ah oui, mais. Non, mais on y allait! On avait deux avions, mais il n'y en a plus! Peut-être Micheli, mais c'est pas sûr! Patrick, troisième, super performance de ton cheval? Non, c'est super! Hein. Puis bien parti, Pierre a joué petit bras, ça s'est bien passé pour finir. Non, c'est formidable à ce niveau-là. Hein. Ouais, le wagon d'accord, c'était le bon? Ouais, c'était le bon wagon, et puis il n'a pas la classe de faire le tour des autres. Hein. Donc si on veut. Pour entrer les bonnes performances, il faut courir battu, et puis comme c'est le faire Pierre, et puis voilà. Est-ce qu'il a un programme maintenant, ce cheval-là? Là, il y avait la Capelle dimanche, mais ça fait rapprocher quand même. Je vais voir ça, puis fin d'année, ben, il a le circuit européen. Il a le prix de la Manche ici à 25 mètres, ça va être très compliqué. Pas un programme vraiment... Puis rien n'est établi, hein. Faut apprendre comme ça va venir. Seb, qu'est-ce qui s'est passé avec Rapide? Il est parti au galop, et puis ensuite, bon, ça l'est déjà arrivé, et puis ensuite, il ne court pas super, quoi. Dès le départ, à bout de 200-300 mètres de course, il s'est mis sur la main gauche, et puis après, il n'avait qu'une reine, et puis impossible d'avancer. Enfin, impossible d'avancer, il avançait, mais il ne faisait pas de train. Donc, on va essayer un coup monté, et ensuite, si ça se passe mal, je pense qu'on va peut-être arrêter la carrière. Carrément, là, tu te grattes la tête, là, à ce moment-là? Bah ouais, parce que le cheval, oui, il était bien sur les deux mains, tout ça, il voulait y aller, puis après, en course, il est un peu tendu. Ça a toujours été un peu comme ça, mais là, après, on sent qu'il a pu... Il tire pas de train, quoi, il avance plus, donc voilà.